Bon allez, ça pêche, enfin de retour au bord de l'eau. On est le 14 février, c'est une date facile à retenir, mais je vais quand même passer la nuit. Et j'espère faire ma première carpe de l'année. L'eau est à 8 degrés quand même, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ça. Alors au niveau stratégie de pêche, là j'ai mis trois cannes, je pêche avec trois cannes, à la noix tigrée. Il y en a beaucoup qui pensent que ça fonctionne pas l'hiver, et puis bon bah là l'eau est à 8 degrés donc c'est plus trop l'hiver en vrai. C'est clair que c'est pas le meilleur des appâts, mais ça prend de la carpe quand même. Donc là sur chaque canne, il y a un montage différent. J'ai mis une flottante, enfin un montage flottant, un montage équilibré et un montage dense. Donc les noix tigrées sur le fond. Comme ça on verra ce qui marche le mieux. Et surtout, j'ai choisi cette graine, enfin cette tubercule, pour éviter au maximum les chevesnes. Même si je sais qu'ils en mangent un peu quand même. Mais j'ai pas trop envie d'être emmerdé en fait, toute la nuit en tout cas. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, allez, premier poisson de la session. J'ai bien dit poisson, j'ai pas dit carpe. Alors c'est le problème en hiver, c'est que les chevesnes ils sont souvent bien actifs. Oh là! J'espère que je vais pas faire que ça toute la nuit. Allez. Bah alors, ça donnait quoi cette nuit? Oh bah j'ai fait 38 chevesnes. Ah ouais? Ah bah tu dois être bien crevé quand même. Oh non, ça va.